Ce résumé vous est présenté par Heineken et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League. Profiter évidemment de cette partie qui est partie justement à 100 à l'heure avec une première possibilité qui file juste à côté et qui a été touchée par Thibaut Courtois. Attention au ballon dégagé par Courtois du plat de la main à Tate. Oh, quelle est belle! Repoussée là encore une fois du plat des gants là par Thibaut Courtois. Ils ont été plus pressants avec Giacoumakis en retrait, la frappe de. Sur le poteau. Oh là 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 là. Ouais, ouais, il y a des gestes de dépit aussi hein, chez les joueurs du Real par moment. Ça joue vite une nouvelle fois. C'est pas mal vu avec Atate en retrait. C'est à côté. Courtois aurait été battu. Si ça avait été cadré, ça a été dévié. Attention à Valverde avec la frappe. Oh là là, qui ne passe pas loin. Duart était-il sur le ballon? Et donc, changement avec la montée d'Eden Hazard. Et Carvajal qui va centrer en un temps. Oh, c'est pas mal avec Eden Hazard qui loupe sa reprise. Il n'y a plus grand monde devant. Il y a en jeu, non? C'est limite. Le drapeau reste baissé. Vinicius qui est peut-être parti pour l'ouverture du score. Non, bonne sortie de Joao. C'est fini. C'est fini. 0-0. Et au point, Xavier, on peut donner un petit avantage aux Écossais, je pense, dans cette première mi-temps. O'Reilly, arrivé Juranovic au deuxième. Que va-t-il faire? Il tente ce ballon et il rate sa reprise, Maeda. Oh là là, première grosse possibilité de la deuxième mi-temps déjà. Et là, ça presse bien du côté du Celtic, avec la bande déviation aussi de Valverde, qui couvre bien son ballon et qui est parti à droite, l'Uruguayen. Il cherche une solution, il la trouve au deuxième, ça c'est dangereux, c'est au fond. Comment éteindre un stade? Vinicius est là pour le faire. 55e minute, le Real passe devant, avec un contre qui est allé à la vitesse de l'éclair et le coup d'œil de Valverde pour cet assist. Je pense que le Celtic ne peut pas jouer autrement quand vous regardez le profil des joueurs ici. Oh, Carter Vickers là, qui est allé solidement dans le duel. Eden Hazard qui est reparti, peut-être l'assist pour Eden Hazard. Modric, ça va aller au bout, ça oui, c'est au fond. 0-2, le Real qui est en train de faire la différence dans cette deuxième mi-temps alors qu'on approche de l'heure de jeu. Mendy derrière avec... Ouais, un très bon ballon vers Dani Carvajal. Le but, Eden Hazard est là. Le troisième pour le Real. Eden Hazard. Ouais, voilà, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Ça nous fait plaisir de le voir, évidemment, là, après son énorme raté en première mi-temps. Attention à cette possibilité, peut-être qui passe juste à côté du but de Thibaut Courtois. Ça c'est pas mal vu, c'est avec la frappe et Thibaut Courtois. Que serait une victoire du Real sans un arrêt miraculeux de Thibaut Courtois? Il ne sert pas à grand chose vu l'ampleur du score, Xavier, mais encore faut-il être là. Mendy,
attend le bon angle de passe. Il trouve ce service vers Rodrigo qui est parti peut-être pour un quatrième but pour le Real. Rodrigo, et ça passe juste à côté. Et c'est fini. C'est fini. 0-3. Ah, elle est cruelle cette défaite pour le Celtic, mais au final, ben, voilà, il faut reconnaître la supériorité du Real aujourd'hui qui a géré en maître de la discipline et de la compétition. Ouais, maîtrise et expérience. On a laissé passer l'orage, on a attendu son tour et puis on a fait la différence dès qu'on pouvait. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Oppo. Sponsor de l'UEFA Champions League.